dans cette lueur d'espoir brillait, ce doux soleil qui consolait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez accompagner la plupart des grilles dans un style variété balade facilement dans le cadre où vous devez par exemple accompagner une chanteuse ou un chanteur. Donc l'important ça va être déjà de chercher des grilles simples et dans un style variété balade c'est idéal pour appréhender eh bien, l'accompagnement de chansons. Vous allez la plupart du temps trouver des grilles ainsi constitué, avec une ligne mélodique comme ça écrite en clé de sol, ça va être la partie chantée, et vous aurez à vous occuper des accords qui sont au-dessus de cette ligne mélodique, donc de cette portée en clé de sol, donc par exemple le C, le G, le AM, le F, le Do, tout ça c'est le chiffrage des accords, c'est-à-dire ce sont les accords que vous devez jouer. C c'est Do, G c'est Sol, AM c'est La mineur, donc la première chose à faire c'est apprendre le chiffrage des accords. Ensuite, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, on va vous demander soit des accords majeurs ou des accords mineurs. Si on vous demande un accord un peu plus riche, par exemple, vous allez trouver des grilles où on va vous demander des accords un peu spéciaux, par exemple, ici. Mais à moins que vraiment le style l'oblige, vous allez pouvoir aussi les simplifier ces accords-là, donc on va pouvoir rester dans un style variété balade, dans des accords majeurs ou mineurs. Un autre exemple de grille que vous pouvez rencontrer également, c'est simplement les paroles de la chanson ici, et au-dessus des paroles, les accords à jouer. Alors là, c'est beaucoup moins précis, c'est vraiment une réduction qui n'est pas évidente, et ça nécessite quand même de connaître un petit peu le morceau pour pouvoir s'adapter rapidement. Alors, ma première recommandation, ça va être de construire sur toutes les notes du clavier tous les accords majeurs et tous les accords mineurs pour que vous puissiez accompagner la plupart des chansons, des grilles de chansons, variété balade, encore une fois, simple et bien facilement. Donc, tous les accords majeurs, vous les construisez à partir de chaque touche du clavier. Ça va vous permettre d'être à l'aise, quelle que soit la tonalité du morceau. Et vous allez faire pareil avec tous les accords mineurs. Je vais vite, hein, c'est évidemment un travail de fond que vous allez faire régulièrement. Comme cela, lorsqu'on va vous demander de jouer des grilles, même dans une autre tonalité, vous allez vous en sortir juste avec des accords majeurs ou mineurs. Ensuite, concrètement, lorsque vous allez accompagner la chanson, vous allez jouer les accords à la main droite et à la main gauche, vous allez jouer les notes fondamentales. Donc la plupart du temps, vous allez avoir un accord à jouer sur le premier temps, et puis dans la même mesure, vous pouvez avoir d'autres accords à jouer. Ici, par exemple, on a un accord à jouer sur le premier temps de Do, un accord de Sol sur le temps 3, et sur la prochaine mesure, un La mineur sur toute la mesure. Donc pour accompagner, concrètement, vous allez faire, pourquoi pas, des noirs à la main droite. Là, on est sur un 4-4. La plupart du temps, c'est des 3-4, des 4-4 ou des 6-8. On va rester sur un 4-4, donc vous allez faire donc... Donc, si j'accompagne là ce qui est écrit, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À la main gauche, vous jouez simplement les notes fondamentales. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai joué des noirs pointés croches, on peut faire des valeurs longues hein, aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, pour le Do, j'ai joué le Do à la main gauche. Pour le Sol, j'ai joué le Sol à la main gauche. Et pour le La mineur, j'ai joué la note La mineur à la main gauche. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Tant de temps a passé, écoulé, loin de ces murs et ces obstacles. Je n'y croyais plus, mais tant de temps a passé, écoulé, loin de toutes ces plus de tristesse.
tristesse, ces promesses deviennent réalité. Alors merci à mon épouse qui a accepté de se prêter au jeu pour chanter cette chanson. Ensuite, bien sûr, on peut aller plus loin, parce qu'un accord de Do majeur, il peut s'enrichir. On peut rajouter une septième majeure, par exemple, on peut rajouter une neuvième. Un accord de Ré mineur, on peut très bien rajouter une septième mineure, une neuvième, une onzième, une treizième. Donc on peut enrichir les accords, et c'est là que vous allez pouvoir faire aussi la différence maintenant, et être vraiment créatif, c'est lorsque vous allez apporter des couleurs à vos accords. Alors, je vous donne un exemple de ce que ça peut donner. Tant de temps a passé, écoulé loin de ces murs et ces obstacles, je n'y croyais plus, mais tant de temps a passé, écoulé loin de toutes ces difficultés, je n'y croyais plus, mais là, dans cette vie, donc ce que je vous recommande maintenant, c'est d'aller chercher des grilles sur internet ou ailleurs, simples, et de vous exercer à accompagner ces chansons. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, justement, je vais, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, organiser un live dans le cadre de mon cursus GM Piano. Je vous mets le lien dans la vidéo, dans lequel je vais parler justement d'accompagnement créatif pour accompagner un chanteur ou une chanteuse. Ça pourrait vraiment vous aider si vous voulez aller plus loin et apprendre des techniques d'accompagnement plus avancées. Je vous mets le lien dans la description et également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre mes contacts privilégiés, c'est gratuit. Vous allez recevoir chaque semaine des conseils piano pour progresser efficacement, ainsi que des avantages sur mes cours à la carte. Je vous mets deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser pour aller plus loin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.